même train. Oh, c'est parce que j'ai dormi chez ma cousine. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Ça y est, on est coincés sur les voies. J'ai horreur de ça. Ah oui, moi aussi. C'est vraiment bête, on va arriver en retard. Mais bon, on est toutes les deux, c'est cool. Attends, je vais te faire Krina, tu vas voir. Sly, c'est le meilleur joueur de foot de rue extrême. C'est pour ça que vous êtes toutes jalouses de moi. Tu le fais trop bien. Et Lila, tu sais l'imiter? Lila, pour être le meilleur, il y a trois choses importantes. L'entraînement, l'entraînement et l'entraînement. T'es trop drôle. C'est vrai, Lila prend tout au sérieux. Ouais, faudrait qu'elle apprenne à se détendre. Elle se sentirait un peu moins coincée comme ça. C'est des bracelets d'amitié? Ah, ça, oui, c'est ma cousine qui les fait. T'en veux un? Oh, t'es sérieuse? Ouais, tiens, j'en ai plein. Ah, c'est trop sympa. Merci, Luna. Ah, bah ça y est, le train repart. Ouais, c'est pas trop tôt, hein. On est super en retard, va falloir courir, t'es prête? Oh mince, je dois récupérer un truc au QG. Vas-y, je te rejoins. Pas la peine qu'on soit toutes les deux en retard. D'accord, à tout de suite. J'arrive, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Ça fait un quart d'heure qu'on t'attend. Je suis vraiment désolée. Je vous rappelle que d'après le règlement, si tous les joueurs d'une même équipe ne sont pas à l'heure, l'équipe adverse peut annuler le match. Oh non. Les ninjas peuvent donc décider... Non, attendez, c'est de ma faute. J'ai demandé à Luna de m'aider pour un problème personnel. C'est pour ça qu'elle est en retard. Elle voulait pas, mais j'ai insisté. Bien, Lila, Samy, qu'est-ce que vous décidez? On joue ce match. On change rien. Très bien, vous avez choisi votre défi? Oui, le défi pour demain, c'est que toutes les 10 minutes, un joueur de chaque équipe sera tiré au sort. Il devra quitter le terrain jusqu'à la fin du match. Et les 10 dernières minutes se joueront à 2. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais les gardiens aussi, ils pourront être éliminés. C'est risqué, non? On peut trouver un défi plus facile si ça vous fait peur. Tu rigoles, il nous en faut plus que ça. Très bien, le défi est validé. Et pour le terrain? On propose le parc central. Parfait. Rendez-vous demain là-bas. Ok, on s'occupe du taxi. Hé, Mawel, c'était pas de ta faute si j'étais en retard. Pourquoi t'as menti à Paul? Ton équipe allait t'en vouloir. Je voulais te rendre service, c'est tout. C'est comme ça, les copines. Et puis, ça m'a fait rire quand j'ai vu la tête de Lila. J'ai repensé à ton sketch dans le train. Il faut qu'elle se détende. Tu l'imites trop bien. Dis, tu fais quoi après l'entraînement? Ben, je sais pas. Tu veux qu'on rentre ensemble? On va goûter chez toi? Je crois que j'ai des trucs de prévu. Une autre fois? Bon, à plus tard. Pour le match de demain, vous devez bien avoir en tête que vous n'allez jouer au complet que les 10 premières minutes. Ensuite, l'un d'entre vous va forcément quitter le terrain. Il va falloir vous y préparer. Donc on va s'entraîner à tous les postes. C'est ça. Moi aussi? Hein? Non, pour toi, Joey, il n'y a que deux possibilités. Avec ou sans toi dans les cages. Eh ben, on va enfin voir si ça fait une différence. Hé, la défense, qu'est-ce qu'il fait? Pas de problème, je m'en occupe. Oh bah c'est malin. Maintenant, il faut aller te chercher. Oh, c'est pas grave. Ça va encore nous faire perdre du temps. Déjà qu'on a commencé tard parce que t'étais pas là au rendez-vous. C'est bon, je me suis excusée, non? Ouais, facile à dire. T'as failli nous faire annuler le match parce que Mawel t'a demandé de lui rendre un service. Mais elle a quand même le droit d'être amie avec qui elle veut. C'est pas le problème. C'est sympa d'avoir rendu service à une copine, sauf qu'elle a pas pensé à l'équipe. Quoi? Mais non, c'est pas... C'est ça, elle nous a complètement oubliés. Mais pas du tout, je... Mawel est une ninjas quand même. Et on joue contre eux demain. Alors même si c'est ton ami... Stop! Mawel n'est pas mon amie. Je ne la connais pas plus que vous. Ah, quand même, elle a parlé d'un problème personnel. Mais ce n'est pas vrai. On était en retard parce que le train était bloqué. Alors pourquoi elle a dit ça si c'est pas vrai? Mais j'en sais rien, moi. Quoi? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Dites tout de suite que je suis une menteuse. Bon, vous réglerez ça plus tard. On va commencer par un entraînement classique à 5, comme si on jouait le match. Et puis on va tirer au sort au fur et à mesure pour éliminer des joueurs. Ok, et on a une consigne particulière pour l'entraînement à 5? Rien de plus que d'habitude. Soyez concentrés et surtout, gardez bien l'esprit d'équipe, d'accord? Ça c'est à Luna qu'il faut le dire. Luna! Ah bah d'accord, d'abord on me traite de menteuse et maintenant on fait des vannes. Menteuse? Pourquoi? Parce qu'elle veut pas admettre qu'elle a préféré penser à sa nouvelle copine plutôt qu'à la team. Oh, mais arrêtez avec ça! Salut Luna! Oh, désolée de vous déranger la team, mais j'ai un truc à dire à Luna. Pas de soucis, on va commencer l'entraînement et tu nous rejoins tout de suite après, ok? Ouais, allez, venez, on les laisse. Mais attendez! Tu sais,
j'ai compris pourquoi tu faisais un peu la tête tout à l'heure. Moi, je faisais la tête? Ouais, quand tu disais que t'avais des trucs à faire, mais tu savais pas quoi, tout ça. Ouais, et alors? Eh ben, j'ai compris. C'est parce que t'as été super généreuse. Tu m'as donné un bracelet, et moi, je t'ai rien donné en échange. Alors voilà, c'est pour toi. Hein? Une bague? C'est gentil, mais c'est pas la peine. Si, si, tiens. Non, je t'assure. Elle te plaît pas? Si, mais... Eh ben, voilà. Tu vois qu'on est amis. Je sais ce qui te fait plaisir. Elle te va super bien. De toute façon, tu es tellement jolie. Merci. Comme ça, on est à égalité maintenant. Des vrais amis. Bon, je te laisse. À tout à l'heure. Rassemblement. Allez, venez tous par ici. J'ai mélangé des bouts de papier avec vos noms. Je vais tirer au sort le premier qui sera éliminé. Et il jouera avec moi contre la team. Alors... Luna. Oh non, pourquoi moi? Et tu sais qu'en jouant contre les autres, tu t'entraînes quand même, donc tout va bien. Elle est jolie cette bague. Ah, c'est vrai. Ah, oui, ça. Mais c'est pas une bonne idée de la mettre pour l'entraînement. C'est pas vraiment à moi, elle est à Mawel. On dirait que c'est de l'argent. Et la pierre est super jolie. Je sais, je lui ai dit de la garder, mais elle a insisté pour me la donner. La vache, c'est un super beau cadeau. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. C'est très bizarre. Elle a peut-être voulu se faire pardonner parce que t'étais en retard à cause d'elle. Mais je vous ai déjà dit que c'était pas vrai. À mon avis, elle t'aime bien. Si ça se trouve, elle t'es... Ah, il commence vraiment à bien avancer, hein. La vidéo, mon gars, maintenant, il peut le prendre comme un vrai tacos dans ses mains. Allez, on est à la moitié, il va continuer. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, à plus tard, encore une fois. Ah oui, chapeau. Au revoir.